on a plutôt bien défendu contre une très belle équipe qui nous a posé quand même quelques soucis qui auraient peut-être mérité de marquer avant nous. Je retiens aussi la négation de mon groupe, le fait de n'avoir rien lâché. Et puis finalement, depuis le début de saison, c'est une marque de fabrique de ce groupe-là. Là, c'est un groupe qui ne lâche pas. Il a été justement récompensé de ses efforts. On peut toujours ergoter sur le fait que Romorantin a eu plus d'occasions que nous. On a eu une grosse occasion juste avant celle de Jordan. Mais la victoire n'en est que plus belle, car acquise dans la douleur et sur la fin. Voilà, c'est une belle victoire. Avec bonheur les trois points aussi, parce qu'on continue à engranger des points à domicile et c'est important. Et je pense que pour les Blaisois, c'était important de montrer une belle image. Je pense que ça a été la mission a été remplie ce soir. Un mot sur Jordan Popino qui marque encore, qui donne la victoire pendant un derby. Oui, bah ça devient heureusement pour nous une habitude. Je crois que son copain Jitunu commence à, je pense, en avoir ras-le-bol. Maintenant, il nous sort une bonne épine du pied, il nous libère complètement sur la fin du match, sur un geste de classe. Voilà, j'aurais bien aimé que sur l'action juste avant de Jude Badia, ça aille au fond aussi, parce que ça coïncidait avec une volonté d'aller un peu plus vers l'avant sur la deuxième mi-temps. En changeant de système, mais globalement je suis satisfait. Je suis satisfait de. Les joueurs ont répondu plutôt à mes attentes contre une très belle équipe, voilà, qui jouera les premiers rôles sans problème. Bien, bah, Yann Lacher, évidemment, j'ai envie de vous dire en introduction, cruel. Après dans la vie on a ce qu'on mérite. Je pense qu'on a dominé le match. On s'est créé les occasions. Après, dans le foot, il faut être efficace. Et on a fait une erreur de concentration sur le but. Voilà, on a laissé trop d'espace entre nos défenseurs et ça a suffi à Blois pour nous battre. Donc voilà, évidemment, c'est un sentiment mitigé de frustration par rapport au résultat. Déjà, en faisant match nul, je pense qu'on aurait objectivement perdu 2 points. Donc évidemment, avec une défaite, je vous en parle même pas. Mais ça veut dire aussi qu'on a du contenu. Pour être une grande équipe et une bonne équipe et de pouvoir viser plus haut, bah, il faut être plus tueur dans les deux surfaces. Les petits détails, c'est le haut niveau, c'est voilà, c'est ça. Est-ce que vous n'auriez peut-être pas dû essayer de fermer en quelque sorte le jeu pour préserver ce match nul? Enfin, les deux équipes se sont livrées en deuxième mi-temps, non? D'accord, on peut refaire le monde. Je pense que quand on a des moments forts, il faut savoir scorer. C'est ce qu'on n'a pas fait en première, c'est ce qu'on n'a pas fait en deuxième. Après, vous n'êtes jamais à l'abri de, voilà, d'une attaque, d'une contre-attaque, d'un coup de pied arrêté. Encore une fois, sur le but qu'on prend, c'est pas une occasion. Hein. C'est nous qui laissons de l'espace dans notre charnière et ils en profitent. Voilà, ils ont été réalistes, ils ont été efficaces. Et nous, voilà, on a été beaux joueurs, mais on n'a pas été compétiteurs à 100%.